Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Léo, dans notre rubrique, les news Yassika. Salut tous mes bayangas, salut toute la grande famille de Mama Kimia. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Voilà, moi Mama Kimia, je me porte très très bien par la grâce du Seigneur, comme vous le voyez. Donc il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à dire, malgré que la voix me dérange un peu, mais ça va. Ça y est, on y est, on travaille, on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une très très belle vidéo que je vous ai apportée. Nous allons découvrir beaucoup de choses en même temps. Et pour commencer, je vous demande d'abord de vous abonner. C'est-à-dire, prenez vos chaises, vos nattes, vos tapis, vos tabourets, vos chaises en cuir, en métal, en bois. Tout ce que vous avez comme chaise, abonnez-vous massivement. Il y a de l'espace pour tout le monde. Ici, on partage beaucoup de choses. N'hésitez pas à activer juste la cloche de notification pour ne rien rater à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. N'est-ce pas que ça, Dja? Mais Bayanga sûr. Aujourd'hui, sur cette vidéo, on va découvrir d'abord l'anniversaire de ce grand homme de Dieu, le pasteur Coutinho Fernando. Il est pasteur et sa femme, c'est Maman Amy Coutinho. Il a des jolis enfants, des beaux enfants. Et nous rendons grâce à notre papa. Le pasteur Coutinho Fernando, il a totalisé 60 ans. Aïe. 60 ans. Quelle grâce. 60 ans, ça se fête. 60 ans, toujours dans le ministère. Malgré les hauts et les bas, il est toujours au pied du maître. Comment ne pas célébrer ses 60 ans? Alors, je vais vous laisser cette vidéo. Vous allez découvrir, vous allez voir comment la fête était juste gigantesque. La fête était juste méga, méga, ultra beau. Et qui était en train de faire le MC? C'est sa fille Grace Coutinho, pasteur Grace. J'espère que c'est beau. J'espère que c'est merveilleux. Alors, je vous laisse la place. On va découvrir l'anniversaire surprise du pasteur Coutinho Fernando. 60 ans, ça se fait. Parce que tu es un héros. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ton Dieu, comme a dit maman Paye, ton Dieu est devenu notre Dieu. Quelle gloire! Il faut aussi donner aussi à mon Rocky aussi, un homme fort. Je vous dis la vérité, quand vous vous tremblez, nous ne tremblons jamais. Quand vous paniquez, nous ne paniquons pas. Au contraire, il te ramène à la raison. Au contraire, il te dit Dieu va se débrouiller. Et ça, il kambunangate, et ça, copie en un, il y a ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, je peux témoigner qu'il est fort. Avec un Dieu fort. Continue à croire. Et merci. Parce que, comme a dit maman Paye, non. C'est mystique. N'ayez pas papa le baka mystique. Il nous a éduqué. Dans la suspension. Maka bébélé. Mais regarde aujourd'hui le résultat. Merci encore, merci au bishop, merci au pasteur, merci aux anciens, merci aux diacres, merci à toutes les différentes équipes. Nous sommes une équipe forte derrière un grand héros, un homme fort. Je veux qu'on acclame encore le Seigneur pour son sein. Est-ce
Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la Bishop Baby? On va dire, papa Archie, nous t'aimons. Bon, on est beaucoup plus concentré à manger. Hein. On va encore redire, papa Archie, nous t'aimons. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Pendant que nous sommes en train de continuer à manger, j'aimerais prendre le témoignage de... Wow, là c'est le moment des cadeaux, les gens avancent, ils apportent leurs cadeaux, hein. Ça fait toujours du bien et la, sa fille Eunice était toujours à ses côtés pour aider son papa avec la canne et tout, dans la caca. Et puis voilà, il a partagé le gâteau, instant gâteau, c'était merveilleux, c'est vraiment très beau, c'était bien organisé, c'était vraiment bien carré, kitoko quoi. Talaka cérémonie à 60 ans, Archbishop Coutinho Fernando. Et là c'était maintenant les séances photo avec les filles, les enfants, l'église, la famille, les pasteurs, des délégations qui sont venues de Brazzaville. Il y a eu vraiment beaucoup de monde, franchement c'était juste waouh, merveilleux. Et que Dieu bénisse ceux qui ont organisé, sa femme en particulier. J'espère que vous avez aimé ce genre de surprise. N'est-ce pas qu'il mérite quand même? Il mérite. Bénissons l'Éternel pour ça. Alors nous allons passer aussi à l'anniversaire surprise de notre star, Thérésia Anne. 50 ans. 50 ans. Ça se fête les amis. 50 ans. Demi-siècle. Thérésia Anne, c'est une actrice. Comédienne, elle fait du théâtre. Moi, je l'ai connue dans le groupe de Caleb, chez Caleb, Toukebana. Oui, Thérésia. Elle joue un peu partout. Elle fait beaucoup des ondines et elle joue vraiment très, très bien. Si j'ai la chance de vous trouver l'extrait de là où elle joue et tout, je vais vous le mettre. Mais sinon, nous sommes en train de célébrer ses 50 ans. Elle avait totalisé 50 ans. Ça se fête. Ah oui, nous bénissons le Seigneur pour ta vie, Thérésia. Elle joue très, très bien. Elle a du talent. Elle a quelque chose en elle. Elle a un don perfecto. N'est-ce pas que c'est beau? Alors découvrons
l'anniversaire surprise de Thérésia Anne. Et voilà, là c'est l'anniversaire surprise de notre maman Thérésia Anne. Moi c'est Kitoko, comme vous le constatez, il y a des nos stars, hein, tous ceux qui font des théâtres et tout, la famille à côté, les connaissances, les amis. Et je pense que ce genre de moment, ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Et nous rendons grâce à Dieu pour ses 50 ans. Talaka Maman Thérésia, c'est des grandes sœurs, c'est des mamans vraiment qui ont commencé du théâtre, qui ont beaucoup travaillé vraiment dans ce domaine-là. Et elles continuent toujours à nous donner le meilleur d'elles-mêmes. Franchement, il faut toujours honorer, hein, il faut honorer ce genre de personnes. C'est vraiment des icônes, quoi. C'est vraiment des personnes à protéger, à des personnes à bénir, quoi. Ah oui, si vous avez aussi un petit cadeau, n'hésitez pas, vous pouvez toujours la chercher sur ses comptes. Je ne sais pas si elle a Instagram, j'ai essayé de la trouver sur Instagram, je ne l'ai pas vue, malheureusement. Mais voilà la petite vidéo que je vous ai apportée pour vous dire que maintenant, elle a demi-siècle, hein. Oh là là, 50 ans, ça se fête, elle est en train de saluer les gens, elle vient d'arriver. C'est magnifique, 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 waouh. Son président Caleb Toukebana, le goût de ça. Je vous laisse avec la musique, on revient après. Pardon. Beaucoup de nouvelles. Ça fait tellement du bien. Et là, nous allons chuter avec notre sœur Signale qui nous annonce le lancement de Semer qui couture. Donc, elle est en train de lancer sa marque Semer qui couture. Eh, n'est-ce pas que ça déjà? C'est pour ça que vous la voyez toujours trop tendance. Elle aime trop la mode. Elle est toujours à la page. Elle est toujours bien habillée. Toujours bellissima. Elle dja. Quand on dit elle dja, c'est-à-dire qu'elle dja. La sœur Simiane Tatou. Aujourd'hui, elle nous annonce une très bonne nouvelle. C'est Semer qui couture en téléchargement. Tenez-vous prêts. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Nous allons tous découvrir dans les jours à venir. Nous allons tous découvrir dans les jours qui arrivent. Elle nous demande de s'abonner en masse à Semer qui couture. Donc, si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à aller soutenir notre sœur Simiane, la femme du prophète Joël Tatou. J'espère que c'est beau. Ah oui. Et aussi, elle a approuvé la demande du pasteur Moïse Mbillé pour le featuring. Aïe! Hein? Ma nouvelle à Boé. Cette année, c'est-à-dire qu'on a commencé tellement avec des bonnes nouvelles, des chansons à gauche, des chansons à droite, par-ci, par-là. Oh mon Dieu! N'est-ce pas que c'est beau? N'est-ce pas que c'est merveilleux? Donc, tenez-vous prêts. Le featuring va arriver. Peut-être que le stade de martyr aussi avec le pasteur Moïse Mbillé. Tellement que c'est trop demandé, les gens réclament. On veut stade de martyr. Stade de martyr, bon, on verra bien. S'il va se plier, on verra bien s'il va se plier à notre demande, s'il va accepter la demande du,
du stade de martyr. N'est-ce pas que ça déjà? Et Simeon, bravo à toi. L'homme propose, comme on dit, et Dieu dispose. Wow. C'était un projet et Dieu a disposé. Dieu a donné la possibilité, Dieu a donné la capacité, Dieu a donné l'intelligence. Pourquoi ne pas mettre des choses en avance? Pourquoi ne pas avancer? Pourquoi ne pas créer? Pourquoi ne pas faire quelque chose? On ne fait rien, non. Avec le peu que tu as, tu peux commencer quelque chose. Avec le peu que tu as, tu peux produire. Ah oui, ne t'enferme pas. Tu as un projet, il faut réaliser. Les débuts, ça a été toujours difficile. Mais avec le temps, plus tu avances, plus tu apprends de tes défauts. Tu apprends, tu améliores et tu... C'est comme ça. Partagez, likez, commentez. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ce genre de contenu, quand vous me voyez aussi comme ça, ça vous fait plaisir. Je sais. Voilà, voilà, voilà. C'était votre maman Kimia, Sarah, la queen de la scène. Ha ha!